Bonjour mes frères et sœurs, que la grâce et la paix de notre merveilleux Seigneur Jésus soient répandues sur chacun d'entre nous. Je viens en cette matinée du 28 juin 2024 partager avec vous un songe que j'ai fait ce jour. En fait, je me suis retrouvé dans une salle de réunion avec plusieurs personnes. Ça devait être dans la ville de Yaoundé. Et l'objet de la réunion était la négociation du départ du président Paul Biya à l'amiable. Donc on est venu pour le supplier afin qu'il se retire sans qu'il y ait trop de problèmes, quoi. Maintenant, pendant qu'on le suppliait, donc il était assis devant nous, on était. En fait, il était deux. Il était. Il était assis seul, un peu comme isolé, et nous on était devant lui. Et on le suppliait que, Excellence, il serait bon pour toi que tu te retires tranquillement. Mais à un moment, au cours de la discussion, il s'est énervé et puis il a dégainé un pistolet qui était un peu comme dans un. Il a ouvert un coffret parce qu'il était assis sur une table dans laquelle il y avait un coffret. Il a tiré ce petit coffret-là et il a retiré un pistolet. Quand je regarde le pistolet encore en esprit, je vois ces. Je ne sais pas comment je peux bien décrire ça. Ce sont les anciens pistolets qu'on utilisait. Surtout l'armée française qui utilisait ce type d'armes-là. Bon, je n'ai pas le nom exactement, mais j'ai l'image en esprit. Maintenant, quand il a dégainé ce pistolet-là, il a tiré sur le mur pour dire que, mais laissez-moi tranquille, je ne pars pas, que je ne partirai pas, même si vous me suppliez n'importe comment, je ne vais pas partir. Donc il a tiré un peu partout et il s'est levé pour dire que, mais laissez-moi tranquille. Et puis, ce que j'ai remarqué, que quand il s'est levé, moi aussi je me suis levé, et puis il est venu vers moi, j'ai dit que, mais Excellence, il a dit que vous ne pouvez pas me manipuler avec vos supplications là, je ne pars pas. Donc, voilà un peu, et puis la séquence là est passée. Maintenant, ce que j'ai un peu pensé, c'est par rapport aux 21 jours de jeûne que le Seigneur a ordonné, que les frères se sont attelés à faire avec beaucoup d'entrain et de détermination. J'ai essayé un peu de faire le rapport, chacun va en faire son interprétation. Et voilà. Donc, merci, que Dieu nous bénisse.